Alors, quand il y a un problème, en fait, on le fuit. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans la découpe, on avale le morceau de tomate, comme ça le problème est résolu. Et ainsi, nous illustrons l'éloge de la fuite de Henri Laborie. Voilà, symbole 11. Et Laborie vient souvent ici à la fête. C'est plutôt Laborie d'ailleurs. Récemment, il a pas dû venir très souvent. Si. Non, mais enfin, son esprit vient. Voilà. 24-6. Comme quoi la canicule a pas d'incidence sur la. Non, mais crée des postes. Crée des postes. C'est quoi cet appareil là? À quoi il sert? Ça va être éphémère. Ah, ben, non, c'est là pour cette température. En ouais, Fahrenheit mais... ou en degrés Celsius. Mais il peut pas servir quelque chose de plus noble, on va dire. Allez, je coupe parce qu'il faut que j'aille contrôler mon feu. Non, mais sans blague, mais il faut me dire à quoi il sert. Prise de température à distance. Oui, mais ici c'est la fête du. Ah. Ah, voilà. La fête du blé au pain. Non. Blé ou pas. Blé ou pas. Oui, mais alors à quoi il sert cet appareil dans ce cadre? Dans ce cadre, vérifier la température du four. Et il four l'a dit, bois. Il l'a dit. Four à bois. Eh bien, il aurait fallu 10 300 minutes. 300 degrés, il nous faut. 300 degrés. Et pour l'instant, nous ne sommes pas à 300 degrés. Donc, c'est pour ça que je suis venu contrôler la température des tomates. Et des employés. Merci bien. On tourne. Hop. Il passe du temps à chercher fortune. Or la vraie richesse est sous nos pas. Pas quand on court sur le bitume, mais quand on foule l'humus d'un bois. C'est alors que la nature se révèle à qui veut bien s'y aventurer. Tu t'élèveras amoureux d'elle, préoccupé de la protéger. Regarde volontiers vers la lune, alors que le bonheur est ici bas. Leur ambition importune pourrait nous perdre tous à la fois. Oh, ils s'agitent, réchauffent le ciel et la mer, empoisonnent les cours d'eau et les champs. Mais tant que coule une rivière, tourne la roue d'un moulin à Dantan. Et allez, retrouvons-nous au moulin de Rotrou. Et allez, retrouvons-nous au moulin de Rome.